Mise en place le week-end dernier au cours d'une plénière qui met fin à la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, session ouverte au lendemain du démembrement du Kasaï occidental en des provinces, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a eu une séance de travail ce mardi avec le commissaire spécial Alex Kahn de Mopompa, avec à son côté son adjoint chargé de l'économie, finance et développement Justin Milonga. Ces deux institutions provinciales appelées à une parfaite collaboration sont revenues sur les méthodes et voies des partenariats entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale en faveur de la population centre-kassaïenne. Les animateurs de ces deux institutions ont harmonisé des vues en faveur de l'intérêt supérieur de la population, rapporte Augustin Kamutulubadi, président de l'Assemblée provinciale. Nous sommes deux institutions. Nous venions d'être élus il y a 3 jours. C'est tout à fait normal que nous puissions avoir une réunion de prise de contact, puisque nous sommes appelés à collaborer. La collaboration entre la première institution et la deuxième institution. C'est pour cela que nous avons rencontré le commissaire spécial. Non, pour le moment, le commissaire spécial assume les fonctions du gouverneur. L'élection, ça c'est une autre manche. Le commissaire spécial est en train de travailler. Il y a les mécanismes de collaboration qui sont prévus par les textes. Mais il faut que nous nous mettions ensemble pour voir comment nous pouvons appliquer ces mécanismes de collaboration. Le commissaire spécial Alex Kahn de Mopompa, qui a présidé cette séance, a rassuré ses interlocuteurs de l'engagement et l'écoute de son gouvernement dans l'écoute de sa population.